Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler encore une fois de Fullmetal Alchemist Mobile. Comme vous le savez, le jeu a été annoncé pour le 4 août aux alentours de 4, 5, 6 heures du matin. Dans la nuit, si on élargit un peu la zone de sortie. Mais de quoi on va parler aujourd'hui? Les amis, aujourd'hui, il y a une énorme bonne nouvelle. Ça concerne le site. Le site, les amis, qui a été fait par les traducteurs de Fufu qui sont occupés du jeu, vu qu'ils ont accès à la, ils ont eu accès à la bêta avec Fufu, ils ont fait la trad de pas mal de choses. Que ce soit un guide, que ce soit le personnage, les personnages, tier list, portail. Pour le moment, il y a pas mal de choses qui sont vides parce que le contenu était pas présent lors de la bêta fermée. Mais lors de la disponibilité de ces contenus-là, tous ces onglets-là seront disponibles. Maintenant, on va parler un peu des personnages. Ils ont fait la trad de tous les personnages SSR, SR et R. Vous voyez en haut, ici. Tous les personnages disponibles. Leur faction, leur type, leur rareté, leurs attributs. En parlant d'attributs, pour le moment, c'est encore flou. Nous sommes en train de travailler ça pour pouvoir également traduire ça aux anglais. Nous avons privilégié la traduction française parce que nous, on est français. Du coup, on est en train de. On a terminé avec la traduction et tout pour les Français. Et dorénavant, nous travaillons sur la traduction anglaise. Nous l'avons déjà commencé, nous avons déjà fait un, deux personnages, parce que c'est assez long pour trouver les bons mots, les bonnes trades, et ne pas se baser sur une traduction bancale. Du coup, ça nous prend un peu plus de temps, ça sera ready, elle sera vraiment prête dans les prochains jours. D'ici, je dirais d'ici lundi, mardi, je pense qu'elle pourrait être prête. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Bien sûr, il y a des guides, il y a des tier lists à droite à gauche, comme vous l'avez vu. Il y a également le Discord qu'on va vous présenter maintenant et de suite. Voilà. Alors, concernant le Discord, il est tout nouveau. Pour le moment, on est quoi, 200? Un peu plus de 200. Alors, on est voilà, 225. Fufu. En parlant de Fufu, il vient d'annoncer un concours et le gagnant gagnera 50 euros. Il le fait seul, entièrement seul. On va dire que je suis là juste un peu pour promouvoir un peu sur les réseaux, sans plus. Et le concours en question que j'ai RT ici, c'est simple. Vous avez juste. Excusez-moi, c'est pas ça. Ça, c'est un ancien concours que j'avais fait. Voilà, il est là. Voilà. Il suffit juste de suivre cette page, Fullmetal Alchemist Mobile FR, et de partager ce tweet. Le gagnant sera annoncé la semaine prochaine. Du coup, là, on est le 2. Il sera annoncé entre lundi et mercredi. 50 euros pour bien démarrer sur le jeu, c'est super correct. Maintenant, on garde le meilleur pour la fin. On garde le meilleur pour la fin, les amis, parce que lors de l'interview, du live stream et des interviews, il y a eu un truc intéressant qui a été annoncé. C'est l'arrivée de la globale. La globale, bien sûr, n'a pas encore de date comme ils l'ont dit, comme ils l'ont dit sur leurs annonces. Mais le jeu va bel et bien avoir une globale. Au début, j'avais, on va dire, quelques suspicions. Mais quand j'ai vu leur site qui était qui avait certains mots, certains onglets en anglais, je me suis dit pourquoi pas. Juste là, on voit pre-registration.
C'est de l'anglais pur et dur. Et même là, additional reward, c'est de l'anglais. C'est qu'ils ont déjà une base de données écrite en anglais. Normalement, je vais sur d'autres jeux. Quand je vais sur des sites et d'autres jeux qui sont en préinscription, je vous assure que leur site est entièrement en anglais, que ce soit la page des personnages. Par exemple, là, il y a écrit top, ça veut dire c'est l'accueil, caractère, système, tout est en anglais. Et il n'y a aucune traduction. Hein. Là, je suis en japonais et c'est bel et bien leur truc. Hein. Et même si on défile, c'est. Tout est. Pas mal de trucs est en anglais, sont en anglais, et ce qui nous permet de. Ce qui nous a permis auparavant de pouvoir lancer quelques théories sur une version globale après le lancement de la version japonaise. Maintenant, ça a été confirmé depuis l'interview, depuis les live streams, les interviews de Famitsu, de GameWiz, d'ailleurs, qui sont reconnus et qui d'ailleurs, les jeux s'en servent. Les éditeurs de jeux, les développeurs de jeux s'en servent comme, boost marketing. Et c'est un bon point. D'ailleurs, je vous mettrai les liens de tout ce que je vous ai dit, site, Discord, dans la barre de description, le Twitter, le concours. Pour le concours, vous n'avez pas besoin. Je n'ai pas réellement besoin de le mettre. Vous allez directement le voir sur leur page, vu qu'il est épinglé. Sur ce, les amis, je vous dis ciao, à la prochaine. Peace. Et prenez bien soin de vous, tout le monde.